Moi, salut les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'asseoir avec vous aujourd'hui, qui c'est dimanche, 24 mars, ensemble pour nous étudier une portion d'une étude de semaine. Je vous rappelle, semaine ça, nous avons la 13e étude, nous, et qui c'est dernière également, et nous avons pris ensemble Espère en l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous allons voir ensemble portion qui porte le thème L'appel à espérer. Dès la même que nous entrons dans la portion d'étude ça, à nous prier. Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous bénis et exaltez nous. Merci pour tout ça offert pour nous qui allons au-delà des attentes. Maintenant, bon Père, nous venons avec désir que nous toujours gagnions qui s'est approfondi connaissance de la parole. Nous demandons que nous avons un esprit pour comprendre, que ça nous va arriver saisir pleinement l'enseignement sérieux et puis pratiquer dans la vie. Nous. Merci parce que vous attendez nous. Dans le nom de Jésus, nous adressons. Amen. Zamim, et moi remercie vous, félicite vous, encourage vous pour qualité et effort que vous même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini étudier, moi toujours prend plaisir encourager ou partager étude avec entourage pour faciliter plus monde capable arriver étudier leçon école du sabbat. Sous pourquoi abonner, profiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant nous avons développé ensemble étude numéro 13, Espère en l'Éternel. Verset à mémoriser, psaume 27, verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. C'est texte pour nous capables de mémoriser durant toute semaine. Jeudi à ce dimanche, 24 mars, l'appel à espérer, c'est pour ça que nous allons considérer. Nous allons lire plusieurs textes là. Nous avons psaume 27, verset 14, psaume 37, verset 7, 9 et 34. Nous avons psaume 39, verset 7, psaume 40, verset 1er, psaume 69, verset 6, Galates chapitre 5, verset 5 et Romains chapitre 8, verset 18 à 25. Et qui sa texte a demandé ensemble avec le bon Dieu pour capable faire? Qui sa texte a ordonné? Qui sa demandé ensemble avec le bon Dieu pour que vous-même yo capable faire. Premier texte c'est psaume 27 verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Maintenant, nous allons aller pour l'autre texte. Nous allons aller dans psaume 37 verset 7, 9 et 34. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il te lèvera pour que tu posséderas, que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. Psaume 39, verset 7. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Psaume 40, verset 1er. Au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis à l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi et il a écouté mes cris. Psaume 69, verset 6. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur. Éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas de la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Galates chapitre 5, verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Romains chapitre 8, versets 18 à 25. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés.
Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Eh bien, et nous, tout texte, yo parlé de l'espérance. Tout texte, yo parlé de l'espérance. Eh bien, yon a plus grand stress la vie gagne, c'est le peut-être le monde wapten. Quel que soit le monde, quel que soit côté que vous vivez, quelle que soit la situation dans la vie, nous tous, à un moment, à un autre, nous qu'on attend ou bien espérer eh bien des choses que c'était non ligne côté non magasin ou bien ou t'es non ligne pour faire un test médical eh bien nous attendons ce que nous n'aimons pas toujours faire n'est-ce pas moi ensemble avec vous en plus de fois nous pas m'étonne mais quand pas comme étant une nécessité comme une obligation nous fait quand même qu'en est-il du fait d'espérer en Dieu eh bien notion espoir en l'Éternel li pa trouvé seulement dans Somme yo, mais c'est une question qui abondé dans toute biblation bagaille qui nous jeune dans toute bible mot clé dans toute eh bien ça nous relé attente là ou bien espérance là nous jeune l'autre mot clé encore qui la donne qui c'est persévérance. Persévérance c'est engagement suprême nous pour nous refuser succomber à la peur d'être déçu par le fait que d'une manière ou d'une autre, Dieu se chargera pas de notre cas. C'est-à-dire, moi, je suis avec vous. Et persévérance, ça permet que nous comprenions que nous devons continuer à être tendres, eh bien, dans bon Dieu. Okay? Parce que bon Dieu, tout ça qu'il dit, il a réalisé quand même. L'enfant de Dieu, il est tendre. Il connaît avec certitude que bon Dieu lui-même est fidèle et que ça l'attend avec confiance. Et si que nous confions bon Dieu situation nous et eh bien nous capable rassurer nous que ça nous besoin et eh bien la fait pour bien nous même si pour le moment nous pas elle nécessairement de cette manière en pile fois moi m'en suis avec vous nous pas attendre en pile fois nous pas gain patience en pile fois nous pas gain persévérance et eh bien nous étude jeudi a les encourager nous pour que nous capable tendre ça bon Dieu demander pour nous faire c'est pour nous tendre bon Dieu demander pour nous capable gagner la persévérance. Espérer dans l'Éternel, c'est plus que s'accrocher à lui-même. C'est un désir profond de mon Dieu qui comparé à une soif et intense, même avec une terre qui sèche, qui besoin de l'eau. Psalmiste là, t'attend en pile bénédiction dans mes bon Dieu. Mais désir pour te rapprocher de bon Dieu, elle était surpassée, et bien tout désir et tout besoin qu'elle était capable de gagner dans la vie. Eh bien, comme nous lit dans l'Épître Paul, dans le merveilleux passage que nous sommes lits dans Romains, nous voyons bon Dieu et toute création attendent eh bien, le renouvellement du monde et la rencontre bénie du Seigneur avec son peuple à la fin des temps. Eh bien, il écrit dans Romains chapitre 8, verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Eh bien, quelle merveilleuse promesse. Cependant, alors que nous obtenons eh bien, le salut ultime et la rencontre bénie avec Dieu, alors que la création tout entière a soupiré et souffri les douleurs de l'enfantement, eh bien, Seigneur lui-même lui demeurait toujours avec peuple, maintenant, par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Pendant ce temps, nous-mêmes nous appelons pour nous capables témoigner plein salut qui a abouti avec une nouvelle création. Eh bien, nouvelle création, ça, est en fin de compte, ça que nous-mêmes nous attendons, ça que nous espérons. L'accomplissement final de l'espoir, nous, en tant que chrétiens adventistes. Côté nous-mêmes, en tant qu'adventistes, nous gagnons la donne, l'idée, l'espérance, nous. Eh bien, nous attendons, mais nous connaissons que ce n'est pas en vain que nous attendons. La mort, la résurrection de Christ, eh bien, lors du premier avènement, il garantit nous second avènement. C'est-à-dire, si Jésus est venu pour la première fois, il fait promesse qu'il a venu encore, eh bien, moi-même, c'est avec vous. Nous gagnons raison pour que nous capables de continuer à espérer, parce que l'espérance, ce n'est pas une espérance qui vient, mais c'est une espérance qui garantit, eh bien, jusqu'à présent, moi-même avec vous, nous devons continuer à persévérer dans la foi, rester dans l'attente, rester dans l'espérance, parce que tout ça, Christ dit,
eh bien, l'a pas accompli. Dans la réflexion que nous gagnons pour journée, quelles sont les choses pour lesquelles vous espérez en Dieu? Comment apprenons-nous à attendre dans la foi et la confiance, en particulier lorsque nous n'avons pas encore reçu ce quoi nous prions? Quelles sont les choses pour lesquelles vous espérez en Dieu? Comment apprenons-nous à attendre dans la foi et la confiance, en particulier lorsque nous n'avons pas encore reçu ce pourquoi nous prions? Eh bien, je dis, nous t'apprenons ensemble la paix, la espérée. Mais je souhaite que bon Dieu aide pour comprendre l'enseignement ça et pour venir un monde qui gagne espérance, et ce n'est pas n'importe quelle espérance, espérance de la seconde venue de Jésus, et pour nous préparer, nous, pendant que nous attendons, pour nous faire les préparations nécessaires, et bien pour le Christ lui-même venu, pour que nous soyons capables de vivre une éternité, et bien heureuse ensemble avec lui, et nous allons régner ensemble avec Christ, et bien pour tout le temps. Nous bénissons l'Éternel, notre Père et notre Dieu, pour révélation parole. Que parole soit capable de nous, pour que nous soyons capables de développer une plus bonne relation ensemble avec vous. Et là va venir dans la gloire, capable de traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Bénis-nous, Père des cieux, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Mes amis, déjà, je vous souhaite une bonne étude, une bonne journée et à la prochaine.